Salut, aujourd'hui je te présente le Spritz. C'est un cocktail tendance, on verra si ça tient. Cette année je pense que ça allait passer le mojito en termes de vente car on ne parle que de lui et jamais du mojito. Je vais te faire un point historique, un point préparation, un point dégustation, beaucoup de points au final. Allez, on passe à l'histoire. Au début du XXe siècle, et plus précisément en 1919, l'apérole est né. On l'ajouta donc au Spritz de l'époque qui devient donc un cocktail. Rappelons qu'un cocktail c'est minimum 3 ingrédients et pas 2. Range ta vodka Red Bull, je te vois. Plus récemment, le Spritz s'est généralisé. Il est énormément consommé en Allemagne, aux États-Unis, en Asie et aussi en France, d'où l'objet de la vidéo. Pour la préparation, on remplit les verres aux 2/3 de glaçons. On va venir ouvrir la bouteille de Prosecco. Alors, comme je vous ai dit, 6 centilitres de Prosecco par verre. Dans ce verre-ci, je fais une préparation apérole, dans ce verre-ci, une préparation Campari. Donc, on réserve la bouteille. On a dit qu'on mettait 4 centilitres d'apérole. Et un trait, on a dit que c'était 2 centilitres d'eau pétillante, et donc de Schweppes. À cela, on ajoute une petite tranche d'orange. Tac. Une paille. Et c'est prêt à servir. Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième, on a déjà mis le Prosecco. On a dit qu'on venait mettre du Campari. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, mais on prend des verres à spritz, c'est-à-dire des verres ballons d'une contenance de 50 centilitres. Et donc, on va venir mettre 4 centilitres de Campari et toujours 2 centilitres d'eau pétillante. On peut aussi, à la cuillère, faire remonter le goût en mélangeant légèrement. Voilà. Et donc on voit qu'il y en a un orange et un peu plus rouge. On va pouvoir les goûter. Pour mon verdict, les deux sont bons, les deux sont à goûter. Mon préféré c'est celui-là au Campari, je le trouve un peu plus doux, un peu meilleur. En attendant, je t'invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, t'abonner si c'est pas déjà fait, partage la vidéo à tes proches si t'en as envie. En attendant, moi je te souhaite une bonne soirée. Bois avec modération, salut.